Ça va, vous, sinon? Super. Ça va. Merci. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Bon, c'est déjà pas mal. C'est... Vous êtes déjà sorti avec un acteur très célèbre? Ah. Genre un Américain? Oui. Quoi, qui? Ah. Ouais, je sais qui c'est. Mais je ne dirai pas. Oh. Non. Ah. Elle est sortie avec un Américain. Je crois savoir qui c'est. Ah, sérieux? Mais d'où ça? Spider-Man. Peut-être l'homme élastique, le 4 fantastique. Non. Un indice. Je ne révèle pas. Un indice. Est-ce qu'il est connu? On s'en fout, il nous connaît. Oui, mais ouais. Peut-être dans un des films que tu as plusieurs petites histoires avec des gens. Quoi? Les gars. C'est le sommaire de l'émission. C'est bon, attendez, elle est en train de nous dire qu'elle a pécho toute l'Amérique là. On va se calmer deux petites minutes. Comment on dit chaudière en anglais? C'est pareil qu'en français, j'ai frisqué les chaudières, t'inquiète pas, c'est pareil. Non, mais sans rigoler. Moi, je crois que vous avez un sixième sens. Vous posez des questions parfois, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Hein. Je sais pas. Change pas de sujet. Non, mais est-ce que tu peux me le dire dans l'oreille? Non, je ne le dirai à personne. Parce que je suis persuadé que je ne connais pas le gars. On les connaît tous. Je vous le dirai le 3 s'il y a un débrief. Non, tu peux me le dire dans l'oreille, je te jure que je ne le dis pas. Je pense qu'on ne connaît pas. Non. Je suis sûr qu'on ne connaît pas. Mais regarde pas la télé. Mais non, mais c'est vrai, je connais les Américains. Ils sont occupés à autre chose. Joe Biden, déjà, il dort à cette heure-ci. Tu crois quoi? Non, je ne veux pas leur causer de problème. Non, mais t'inquiète pas, je ne leur dirai pas. Ah, parce qu'ils étaient mariés en plus. Non, ça jamais. Ah. Quoi, ça jamais. Pas mariés. Bah, c'est quoi le problème? Il y en a qui sont mariés aujourd'hui. Non, alors, Delphine, t'as un truc à dire? Non, attends. Deux minutes. Est-ce que tu peux me le dire dans l'oreille? T'inquiète, je te jure que je dirai. Vas-y, dis-lui. C'est une tombe. Attends, sans rigoler. Je te jure, je peux pas. Non. À moi. Il y en a un dans le lot qui, en ce moment, a un peu des problèmes dans les media people. Je sais qui c'est. Johnny Depp. Non. DiCaprio. Attendez. Qui n'était pas marié du tout à l'époque. Et du coup, je ne veux pas du tout... Dave. Non. Non, mais passez à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oula. Ah non, c'est pas lui. Dis-moi, moi, j'ai pas entendu. C'est un acteur. C'est pas entendu. Ah si, tu vois. Mais j'ai pas entendu. Non, c'est pas lui. T'as rien à entendre, toi. C'était tout mignon. C'est incroyable. C'est qui c'est toi? Non, je vous en supplie. Ah ouais. Alors là, je peux vous dire, chers téléspectateurs, elle m'a donné un blast. Valérie est très très forte. Ah ouais, Valérie est très très. Vous êtes connecté. Ah bah bien sûr. L'indice s'affiche sur votre écran. Sachez, petit indice, je ne dirai rien. Ah. On a la même passion pour les marrons. Les marrons? Oui, merci. Joli. Je l'ai du coup. Arrêtez. Non, je ne dirai rien. On peut le dire. Allez, on le dit. C'est Phil Collins. C'est juste le prénom, Cyril. Non, on peut pas. Si on dit le prénom, on dit le truc. Mais le mec est marié, il était célibataire. Qu'est-ce qu'on est en train de dévoiler là? Quoi? Et alors? Mais parce que ça rajoute. Elle a pas envie. Non, ça rajoute. Arrêtez. Elle en a trop dit ou pas assez. Voilà. Elle, tu vois, par exemple, la dernière fois, elle nous a dit qu'elle était sortie avec Darry Cole. Non mais sans rigoler, t'es vous êtes tous sortis avec des stars ici. Non mais sans déconner, c'est vrai. Toi, quoi? Non mais lui, regarde, lui, tu te rappelles ton aventure avec... Non mais t'es un taré, arrête un peu. Il gagnait pas tout le temps. Qui? Mickey Rourke? Ah ouais. Il y avait des meufs, elles avaient le choix entre Mickey Rourke et Watt. Mm-hmm. Et elles choisissaient toi. Kim Basinger, par exemple. Ah bah oui. Moi, je choisis. Kim Basinger, celle qui faisait des glaces, toi. Kim Cohn. Non, mais vraiment. Non, mais arrête. Ça a l'air de vous étonner. Quoi? Attends, parce que pour être espèce, t'as déjà eu une meuf, elle est arrivée comme ça,
T'as le choix entre toi et, Joe, et Mickey Rourke qu'elle t'a choisi, frère. Ça dépend, Cyril. C'est un hôtel de Los Angeles, monsieur. Ouais, mais elle est étonnée. Eh ben, si elle me regarde, je vais lui donner tout de suite. En bas de l'écran, on va s'afficher l'adresse d'Optique 2000. Le plus proche de chez elle. Alors, c'était peut-être c'était avant les opérations esthétiques de... Elle s'appelait Gilbert Montagnier. Alors, je l'embrasse d'ailleurs, Gilbert. Alors, c'est qui? Il est content. Pourquoi c'est qui? Mais c'est personne. C'est, on était en concurrence et il gagnait pas tout le temps. On était dans les mêmes soirées à l'hôtel, au Standard à Los Angeles. Non, non, toi, t'es au Standard. Mon frère. C'est ouais, genre, Mickey Rourke, tu me dis, il était en soirée, comment ça, avec des gars? Ouais. Je dis, ouais, je suis dégoûté, c'est encore Gilbert Dess, la Ken Mameuf. T'as vu que Gilbert Dess, encore Ken Mameuf. C'est un truc de ouf, frère. Il est photo, t'as celui-là. Non, mais c'est vrai, il était comment, c'est avec d'autres acteurs. Il était avec Brad Pitt, Tom Cruise, le truc. Ouais, et là, il voyait tout, il voyait arriver Gilbert Dess, il fait merde, on est mort. Gilbert Dess, il va encore nous piquer nos meufs. Gilbert Dess. Il arrive, ça va, les ringards. Attends, mais dans quelle vie, frère, t'as pécho plus de meufs que Mickey Rourke? Pourquoi je vous raconterais un mytho comme mais ça? Mais parce que, frère, t'es devenu fou. C'est simplement. Parce que cette émission est en train de te rendre fou. Tout simplement. Le charme français qui opérait. Le charme français, ouais. Mais frère, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Avec Amy payé, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi?